Si tu veux des crédits sur FIFA 17 Ultimate Team, alors rends-toi sur MMOGA. C'est l'un des moins chers du marché et grâce à mon coupon Cyril, tu as 3% de réduction. Et si tu veux des cartes Xbox ou PSN, rends-toi sur Prestart. Lien dans ma description, c'est le meilleur site du marché. Tu as toutes les cartes que tu veux à très bas prix. Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour un pack opening. Voilà, ça fait très longtemps que je n'avais pas proposé. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée de Fitzbirdie, bah, t'as toujours envie de packer, sachant qu'il y a aussi une très belle équipe de la semaine avec pas mal de joueurs en animation. Il y a du Marco Verratti, du Ronaldo, du Neymar, du Lucas Podolski qui m'intéresse aussi grandement. Et tous ces joueurs que vous voyez en fond, les joueurs Fitzbirdie avec du Torres, même s'il est présent d'entier dans le SBC, David Villa, pourquoi pas Sturridge, Doumbia. Il y a du El Shaarawy, il y a Kubelchikowski, Nani, Ogbonna, David Luiz, Abate, Sirigu, d'ailleurs que c'est dans une équipe mais qui est très 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 bon. Cole, Svan, Agbonlor, bref, vous connaissez les bails, mais peu importe le joueur que je pack, je serai content. C'est une petite carte Fitzbirdie, on va voir, vu qu'il y a des packs à 50 000 crédits. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher toujours un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et tous ceux qui me demandent, tu prends où tes codes Xbox, PSN, c'est très simple. Dans la description, vous avez un lien. Prestart, voilà, vous prenez des cartes à 50 euros et vous les payez 44 euros. Sur PS4, One, bref, vous connaissez les bails. Allez, c'est parti! On va, les amis, ouvrir des petits packs. Comme je dis, il y a des packs à 50 000 crédits. Il y en a 5. Et bah, c'est parti! Premier, des 5 packs à 50K, pas d'animation pour ce premier. Toute petite étoile avec David Silva, pas David Silva, non, c'est Silva, pardon. Adrien Silva, portugais à 83 de notes. Ouais, premier pack pas très ouf avec du Valdez, des pailles. Bon, ça passe, hein, mais dans les packs à 50K, on attend toujours mieux. En doublon, Fabinho, Zaza tout le long. Ouais, bah rien de bien intéressant. On se rapproche de Tai Taiwo avec un Nigérian, mais pour le moment, c'est pas le cas. Premier pack à oublier, on enchaîne directement sur le second. Pas d'animation non plus pour ce second pack. Ouh, l'étoile est pas mal. L'étoile est pas mal. Ouh, Coutinho. Coutinho up. Ok. Petit 86 qui fait... Ouais, qui fait plaisir. Franchement, le 86 qui fait plaisir. Granit Xhaka aussi. On a du Slimani, Trap. Ouais, bon, ça c'est intéressant. Hein. Franchement, Coutinho, c'est assez intéressant. Vous avez 20K à peu près. Un petit 86 de notes. Moses DLD en carte caisse. 78, ouais. Bon, doublon, pas intéressant. Reste Johnson. Et notre ami Kevin Prince Boateng. On enchaîne sur le troisième. Va-t-on avoir mieux ou pas? Pas d'animation non plus pour ce troisième pack. Toute petite étoile. Bah, disons, j'ai pas de chance du tout sur ce compte-ci. Hein. Sauf que c'est le compte qui est maudit, en fait. Hein. Sportiello à 82 de notes. Ouais, Schneiderlin. Zinezovic, ouais, j'ai que des doublons. Un petit Walker qui se vend un petit peu. Le reste, vraiment rien qui se vend. Werner, Guedes, Blin, ouais. Bref, rien de bien intéressant. Il reste deux packs à 50K. C'est le moment de lâcher les chevaux. C'est le cas de dire, c'est le moment de taper du lourd. C'est parti, avant, dernier pack. C'est long, mais pas d'animation. Voilà, on s'abat pas vraiment des packs. Ouais, étoile plutôt correcte avec Top Rack, je pense. Ouais, ça c'est dingue, j'ai pas du tout de chance sur ce compte, il est banni en fait, hein, je vous jure que c'est vrai. Top Rack, Kedira, Mineur, rien de bien intéressant. Renato Sanchez, on a vu aussi. Là, bof, 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 bof. Dernier pack, les amis, à 50K. On terminera avec des petits packs à 15K ou d'autres packs, je sais pas. C'est parti, le dernier. Allez, le dernier pack. Pas d'animation non plus et toute petite étoile. Oui, je crois bien que ce compte, il est maudit. Franchement, ce compte, il est maudit. C'est dommage. Slimani à 83 notes. Ouais, pas mal de joueurs à 83. Miralas aussi. Peut-être qu'il peut se vendre un petit peu. Les 83, bref, je sais pas. Il nous reste, ses amis, 1200 points FIFA. On va ouvrir, deux packs à 25K, 500 points FIFA avec des consommables. Pourquoi pas avoir du lourd là-dedans, je sais pas. En tout cas, pas d'animation non plus. Ouais, l'étoile est pas mal. Otamendi, certainement. Garay, ok. À 84 de notes. Oui, c'est bien, mais oui, j'ai rien dans les packs, quoi. En plus, il n'y a pas beaucoup de joueurs dedans. Ayou en doublon, logo de Paris, non, mode de Paris et celui d'Arsenal. On s'en fout. On termine avec le dernier pack spécial à 25K, 500 points FIFA. Oh, voilà la petite animation qui fait plaisir. Ah, l'animation carte or. Espagnol, De Gea, Fabregas, Iniesta, David Silva. David Silva, ok, bon, c'est pas ouf. Mais bon, on prend un petit joueur à 87 de gêne, David Silva. Bon, c'est sûr, ça fait plaisir, mais bon, pas de carte de couleur, malheureusement. David Silva, Montero, je crois, hein, je n'ai pas fait attention. Et une coup en doublon, ouais, bon. Un petit David Silva, on prend le petit David Silva. Et on va ouvrir un seul petit pack à 7500 pour, on va dire, finir nos
FIFA. Le dernier pack, pas d'animation, et c'est une... Ah, une étoile quand même plutôt pas mal avec Aaron Ramsey, je pense. Voilà, 84 notes. Bon, pack opening, pas extraordinaire, mais on a tapé une bonne animation. C'est parti, là! Je veux que ça bug, mais pas là, quand il y a le pack qui s'ouvre. Bon, c'est rapide, il n'y a pas d'animation. Ah, enfin, une étoile un peu plus intéressante. Eriksen, c'est pas mal. Petit 85 de gêne qui coûte dans les 6-7 000 parce que... Ah bah, j'ai éteint la manette, en fait. C'est très bien, j'ai tapé la manette, je l'ai éteinte. Eriksen, c'est pas mal. C'est un petit 85 de notes, ça sert pour les SBC. J'adore FIFA. Oh, putain, j'ai cru l'animation. Ouh, l'étoile est pas mal. L'étoile est... Martinez. Oh, Martinez, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Un petit 85 de notes. Pour les SBC, je trouve ça très intéressant. Le pack du sub, Cruz, Genesius et Amaury. C'est parti, c'est le moment, là. Oh, là, j'ai du lourd. J'ai du lourd. J'ai du lourd. J'ai du lourd. J'ai pas... Oh, la première! Blachikowski, Yaku Blachikowski, bébé, 83 de notes. Et oui, la première carte, Footbury, avec l'accent English, so English, Footbury. Nice, wouhou, la première, elle est là. Ah, ouh, Yacoub. Il n'a pas les 4 étoiles, lui, hein, non? Ah, il fallait que je teste. Va falloir que je les teste, Yacoub. Peut-être que on peut avoir du lourd. Peggy 18. Oh, Genesius, il porte chance. Ah, c'est Kin, yes. Le petit Kin 84. Voilà. Un petit 20k, en plus, il est super bon. Je l'ai dans mon fut champion, c'est une dinguerie. J'ai fait 4-5 matchs avec lui, il est super bon. Et avant, j'avais fait 20-30 matchs avec sa carte IF. Oh, putain, ça peut pas assez. Oh, l'étoile est pas mal. 87, ça. Müller. Oh, Toto Müller. Ça, par contre, Toto Müller, je signe. Toto Müller, je signe direct. 87 de notes pour Toto, qu'on va aller vendre directement, parce que dans les équipes que j'ai pour les SBC, il ne me servira pas. On va ouvrir deux petits packs, où j'ai fait le SBC du jour, c'est qui est ouvert tous les jours pour débloquer le pack ultime à la fin, donc c'est un pack consommable, et on ira ouvrir un pack de joueurs de la semaine échangeable. Donc bon, là c'est le pack consommable, il y aura des contrats, des cartes, un peu de tout, voilà, des trucs à éléments rares, avec un pack de prêt, bon, c'est pas forcément très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse fortement, les amis, c'est le pack avec le joueur de l'équipe de la semaine échangeable. Là, on va obtenir un joueur entre 86 et 90 de notes. C'est une animation avec Boateng à 80... Non, c'est Hummels, pardon. Donc, c'est pas une animation. À 87 de gêne. Et là, on va ouvrir le pack avec le boost échangeable. Ce qui peut être intéressant, bien sûr, parce que de 1, il se revend. Et de 2, eh ben, il y a du lourd. Ronaldo, Podolski, Neymar, etc. Même si je pense pas de me taper une animation. Loin de là. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Joueur équipe de la semaine échangeable. Let's go. Pas d'animation, c'est malheureusement dommage. Et on obtient, les amis... Waouh, le gardien. Waouh. Capino. Merci, mon pote. Allez, petit boost, cette fois-ci, non échangeable. Je pense qu'on terminera avec un dernier boost échangeable. Comme ça, vu que j'ai packé un joueur tout à l'heure boost, là, ça m'en fera un second. Et je pourrais faire un boost échangeable, parce qu'il faut deux boosts dans chaque... SBC, c'est parti, boost joueur de Kin de la semaine non échangeable, pas d'animation, et il s'agit de, oh, Clint Dempsey, ça c'est pas mal parce que c'est un 82 notes, et il va nous servir pour le boost échangeable en espérant taper cette fois-ci mieux que le joueur grec. C'est parti pour le dernier joueur de la semaine échangeable, voilà, donc j'ai fait l'équipe en mettant les deux joueurs boost que vous venez de voir. Juste avant, c'est parti, il va y avoir une petite animation quand même, parce que c'est un joueur qui se vend, tu as une petite animation. Podolski, peut-être Ronaldo, Neymar, etc. Mais c'est vrai que, petite animation, je serais content. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, let's go. Pas d'animation. Pas d'animation, les amis, pour ce boost échangeable. Et on termine sur Kin. Ouais. Bon, c'est 25k, 20, non, même pas, un peu moins, je crois. Bon, il est très bon, hein. Moi, j'ai testé, je surkiffe. Mais du point de vue crédit, bah, c'est pas ouf du tout. Mais bon, c'est pas grave.